Le royaume étant en danger, qui pourrait le sauver? Mais des trois héros de notre histoire, bien sûr. Amadeus, Pontius et Zoya. Ce bandit doit se cacher tout près. Relâchez ce mouton malandrin, voleur. Il ne s'enfuira pas. Heureusement que j'ai mon bouclier. Pas si solide. Tout est couvert. Je raccompagne ce mouton chéri. Si Pontius était le plus fort et le plus courageux d'entre eux, Zoya était bien différente. Zoya était déjà voleuse, bien avant que les circonstances n'en fassent une héroïne. Cependant, ces dernières années, Zoya ne semblait plus s'intéresser aux richesses de la haute société. À la place, elle dirigeait son regard vers l'étranger. Ma récompense. Petit poulet sauvage. Le dernier de nos trois héros était Amadeus. Plus jeune, il voulait devenir un puissant sorcier afin d'impressionner les gens, mais il n'a jamais vraiment réussi à lancer les grandes boules de feu dont il rêvait tant. Amadeus, le magicien, profitait de vacances bien méritées. Il observait la migration de tortues géantes avec sa femme Margaret et leurs trois enfants.
La femme du magicien avait un tempérament ardent et leurs trois enfants étaient très doués pour la conjuration de boules de feu. C'était d'ailleurs un miracle qu'ils aient laissé le pauvre Amadeus dormir en paix cet après-midi. Mais il dormit trop longtemps. À son réveil, il était déjà en retard pour voir les tortues géantes. En retard. Je suis en retard. Je ne suis pas certain que cette épave soit sûre. Le chemin qui mène au point de vue passe par cette porte à clé. Il est fermé. Il n'était pas rare que nos trois héros soient réquisitionnés sans la moindre mise en garde, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. L'artefact de l'âme possédait le pouvoir de résurrection. C'est vraiment ennuyeux de devoir tout interrompre chaque fois que ce chandelier magique décide de kidnapper des innocents pour ses aventures. J'étais moi-même en plein milieu d'un sauvetage. Il semble que nous soyons aux abords de l'Académie Astrale. Ce n'est pas l'endroit idéal pour une aventure. J'ai déjà pris tout ce qu'il y avait. Une petite mare. Pourquoi les chemins de l'Académie Astrale passent-ils par une mare? Le paysagisme ne fait pas vraiment partie du cursus. Et voilà le fauteur de fouillage. Qu'est-ce que c'est? De la magie noire. Elle prend possession des racines. Voyons s'il casse aussi facile. J'étais un peu surpris d'entendre Zoya crier quand l'artefact s'est brisé. Quoi? Je croyais que c'était Amadeus. Je n'ai pas crié. Bon, si aucun de vous n'a crié, alors qui? Tant de jours passés à pêcher, et toujours pas de parfum. Il y aura du poisson au dîner. Je dirais que ce petit éclat de Trine nous redonne une part de nos pouvoirs. Protège-le, Amadeus. Nous en aurons sûrement besoin une fois le nuage noir retrouvé. La retraite anticipée d'Amadeus, Pontius et Zoya eut ainsi une fin tragique. Au lieu de se débarrasser de leur pouvoir magique, ils causèrent la destruction de l'artefact de l'arbre.
Nos héros pénètrent dans l'Académie Astrale avec l'intention de découvrir l'objectif de sinistres nuages ténébreux. Que sont les trois artefacts? Nous n'avions qu'un seul. Je sais aussi peu que le... Oui, et ils sont... Qui a créé les artefacts? Personne ne le sait. On pense qu'il s'agit des nains, mais c'est peu probable puisqu'ils ne ressemblent en rien aux autres. Je pense que nous devrions aller au coffre où sont contenus les deux artefacts. Le nuage doit sûrement se diriger. Magie noire prend possession de l'Académie. Je n'ai pas peur de quelques objets arrogants. Espérons qu'ils meurent aussi facilement qu'ils prennent vie. Il y a une grosse pile de livres ici qui parlent des artefacts. Et de nous, puisque nous sommes liés à l'un d'entre eux depuis quelques années. J'espère qu'ils parlent de ma cape rouge. Quoi? Quelqu'un parle de moi? Avec quelle permission? L'air très sûr. C'est l'artefact du corps. Tout semble être en ordre ici. Allez à la bibliothèque. Trouvez les chroniques du gardien. Notre petit éclat d'artefact a parlé. Il est vivant. Et il veut qu'on aille à la bibliothèque. Avez-vous d'autres requêtes, madame l'artefact? Mais la voix provenant de l'éclat ne dit rien. Il y a des petites choses brillantes ici. Les autres éclats issus du Thrall. Et ils sont éparpillés dans tout le pays. Le plus proche semble être dans la forêt de Redwood. Ne devrions-nous pas y aller? Nous devrions à la bibliothèque. Un livre particulier semble avoir capturé bien plus que l'attention de nos héros. Ce tome, intitulé « Les chroniques du gardien », contient les mémoires d'un grand magicien. Quelle manière étrange de faire des recherches. Allô? Amadeus, Pontius, Ezoya, m'entendez-vous? Comment nous connaissez-vous?
Nous avons partagé de nombreuses aventures ensemble. Je suis Trine. Trine ? Trine, Trine ? Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. Je suis un esprit. Quoi ? Déplacez-vous. Nous nous en sortirons. Ça devient de plus en plus étrange. Nous devrions faire ce qu'elle dit si nous souhaitons sortir de l'île. Quand vous avez rencontré Sarah, vous n'avez vu que son esprit. Il y a 1000 ans, il était encore vivant et au sommet de sa puissance. Sarek avait un désir insatiable de puissance et de magie. Il parvint à un moment à se rendre immortel, mais sa réussite le rendit totalement et inarrêtable. Sarek devint une menace pour toute vie en son monde, car personne ne pouvait le voir. Et maintenant, ce sorcier à la puissance immense souhaite nous voir tous les trois morts. Je n'ai pas peur. Nous avons Trine avec nous. Oui, mais elle est aussi éparpillée aux quatre coins du monde. Avec le temps, il s'est peut-être adouci. Personne ne peut tuer Sarek. Il a enchanté son cœur afin de vivre éternellement. Alors on plante une épée dans son torse pour détruire son cœur. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Sarek a caché son cœur. D'ailleurs, il l'a si bien caché qu'un millier de héros, sur un millier d'années, n'ont pu réussir à le trouver. On dirait la chasse au trésor la plus difficile du monde. Ça n'en est pas loin. Mais je ne pense pas qu'on est plus loin. Le gardien était un magicien légendaire. Il nous avait confié le moyen d'emprisonner Sarek. Rona et moi avions traqué Sarek afin de l'affronter. Il a dû se douter que quelque chose se tramait, car alors il s'est enfui. Notre plan était de séparer son âme en trois parties et de l'empêcher de parler. Cela devait le priver de ses pouvoirs et nous laisser le temps de trouver son cœur caché. Où se trouve Dame Rona de jour ? Vous le saurez bientôt.
Nous avions coincé... Les héros avaient de nombreuses questions pour cet esprit qui semblait être la raison des perturbations dans leur vie ces dernières années. Mais il n'était plus temps de discuter. Les éclats de l'artefact brisé devaient être... Personne n'a réussi cette quête en un millénaire. Pourquoi serions-nous les heureux élus ? Ne nous emballons pas. Nous devons trouver tous les éclats de l'artefact des âmes avant que quiconque ne soit prêt à pourchasser Sarek ou même son cœur. Mais une fois cette aventure terminée, nous serons tous libres de vivre une vie normale, chacun de notre côté. C'est bien ça ? D'accord. Marché conclu. Forêt de Redwood. La quête des éclats a commencé. Nos héros se rapprochaient de plus en plus du premier éclat perdu de l'artefact des âmes. Mais ils n'étaient pas seuls. Il y avait autre chose. Les héros s'approchaient en silence du dernier endroit connu où se trouvait l'éclat, à l'affût du moindre danger, et espérant eux-mêmes ne rien déclencher de mort. Un des éclats de notre âme.